et vous la bouclez, sinon... Je vais vraiment pas vous louper. 3 jours au mitard. Allez. Vous me refaites ça et vous allez en prendre plein la gueule. Vous voulez rigoler? Ouais, mais comment mon pote, passe-moi ton blé. Allez, prends ça là-bas. J'ai été attaqué par une bande de 5 types. Encore une de tes excuses? Mais c'est vrai. Je peux te jurer que c'est la vérité. Tu mens. Bah t'as qu'à aller voir. Ils ont sûrement pas bougé. D'accord. Encore un échec. Vous l'avez encore laissé filer. Nous avons déjà des spécialistes pour lancer les missiles, alors pourquoi lui? C'est un très bon expert en fission nucléaire. Il a été récemment viré de son service pour outrage envers ses chefs. Est-ce que tu piges maintenant? Ouais, je crois avoir saisi. Te fais pas de soucis. Je vais te le ramener. Ce programme doit rester strictement confidentiel. Sois prudent. T'en fais pas. Je ne prends jamais de risques. Quand Paul s'est trouvé coincé avec les autres, pourquoi tu n'as rien fait? C'est un vrai fumier, ce type, il peut crever. Mais il t'a sauvé la vie. Il t'a déjà souvent aidé. Dis donc, tu te fous de ma gueule? Il se sert de nous. Et ça, j'aime pas ça.
Qu'est-ce qui t'a fait? C'est une très vieille histoire. Hé, hey, regarde! Hey, c'est pas du toc! Fais voir! Oh, c'est vraiment magnifique, ça a dû te coûter une fortune. Ouais, tu peux pas imaginer. Et tu sais, je ne m'en séparerai à aucun prix. Mais la raison pour laquelle j'y tiens autant, c'est que je veux l'offrir à ma fiancée. Oh, je crois que ça va être un présent superbe pour cette jeune fille. Je te cherchais partout. George, Paul a une affaire dont il veut te parler. Est-ce que tu m'accompagnes? Pourquoi faire? Vous ne voyez pas que nous sommes en pleine réunion en ce moment? C'est quelque chose de très important et s'il reste ici, il le regrettera. Il ne faut pas insister, il est déjà occupé, revenez un peu plus tard. Qu'il réfléchisse un peu, on ne va pas l'attendre longtemps. S'il reste ici, ça risque de lui faire du tort. Arrête un peu, Ford. Tu pourrais pas commencer par lui foutre un peu la paix? Très bien, je vais repasser demain. Laura, c'est peut-être un bon travail pour moi. Oui, mais fais attention. Je n'ai pas confiance en lui. Allez, viens. Allez, viens. Gordon, Paul te rappelle que t'es pas dans le coup. Et le combat reprend. Tu plaisantes, on m'a demandé que je le perde ce combat. Gordon, lève-toi. Allez, va le battre. Et vas-y, frappe-le comme ça. C'est bien. Allez, encourage-le, toi. Dans la gueule. Paul va nous arrêter. Ah, tu peux compter sur lui. Allez, bloquez-vous. Hé, hey, Alan, regarde. Ouais, balance-lui ça. Ah!
arrête. Vous êtes en panne? Non, c'est pas vrai, c'est toi, York! Hey, hey. Mais qu'est-ce que tu fais ici, hein? Vieux frère! Salut, Gordon! Vieux frère! Comment ça va? Je suis content de te voir! Comment tu savais qu'on passerait là? Figure-toi, Laura, que c'est la seule route praticable. Je trouve ça bien bizarre. Vous trouvez pas, vous? Je me demande si tu travailles pas pour Paul. Comment est-ce que tu peux dire ça? George est mon ami. Armstrong! Vous êtes encerclé, alors n'essayez pas de jouer au con, hein! Mais qu'est-ce que tu crois? Tu pourrais pas toujours t'en sortir, la police finira par t'avoir. Pauvre type, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Hé, arrête! Regarde. Tu me fais marrer. Ah, tu te crois drôle? Hé, York! C'est pas ton affaire, t'as mal choisi tes amis cette fois. Je te descendrai si jamais tu l'ouvres. T'as rien à craindre. T'as l'air bien sûr de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu comptes faire de nous, Armstrong? On va mourir d'ennui. Paul veut qu'on lui amène George. Et j'ai rien contre vous autres, vous pouvez vous tirer. Armstrong, cette fois tu es fait. Jetez vos armes, vous ne pouvez pas nous échapper. Tirons-nous! Ouais. Attends, venez, laissez-moi filer! Papa! 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 J'ai entendu dire que Paul t'avait dans le collimateur, c'est vrai? Merci de votre aide, Major. Mais votre fille les aurait arrêtées toutes seules et d'une seule main. Elle aurait pu le faire, elle est si calme. Parce que de notre côté, oh, on avait un peu la trouille. Je vous remercie. Vous êtes une fille sensationnelle, ce fut une véritable leçon. Je vous trouve fantastique. Paul, George s'est enfui. Qu'est-ce que tu dis? Et tu te figures que je vais raconter ça au patron? Il y a encore autre chose. On raconte dans les couloirs que le bureau central de renseignement nous envoie un agent spécial nommé Cliff faire une enquête. Il va fourrer son nez partout. C'est notre base de missiles qui l'intéresse. Voilà pour toi une occasion de réparer des erreurs. Tu veux que je le supprime? Tue-le. Vous pouvez vous arrêter un peu. Foutez pas la merde. Tu as tué Cliff. Si je l'avais fait, je ne serais pas là. Voilà tout mon fric. Et voilà mon arme. Je parie que c'est le bon numéro. C'est raté! Ah,
Mais qu'est-ce que vous foutez ici? On va avoir besoin de ton aide. Oui, et pourquoi faire? Dis donc, on peut toujours compter sur toi? Oui, vas-y, accouche. C'est une longue histoire. On a un vieux compte à régler avec quelqu'un. Hé, v'là les flics! Allez, on dégage. On va pas en plus se faire emmerder par cette bande de connards. Attends! Hé, hey, John! John, ramène-toi! Suivez-moi! Attendez une minute! Voilà. J'ai du mal à me repérer là! Mais où est-ce qu'on va là? Oui, pleine voiture! Levez les mains en l'air! Allez, exécution, discutez pas, allez! Qu'est-ce que vous faites par ici? Ah ben, on est juste en train de se balader, ben, vous devriez contacter vos chefs, ils nous connaissent! Sergent, j'ai le chef à l'autre bout du fil, il a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce que vous cherchez, là? C'est la seule arme que je possède. Ouais, ben, en tout cas, je préfère vérifier. Allez, ça va, on n'est pas des tueurs, nous. Tiens, regarde, peace and love. Aux ordres. Willard vient d'en haut. Vous êtes libre de partir. Merci. Et faites gaffe, hein. Ah, on est libre, alors on est libre. Yeah. Hey, ça suffit, Gordon, tu commences à nous les gonfler. Ah! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? La fête est finie maintenant. Suivez-moi. Attends. Je m'appelle Lily et j'ai besoin de vous. Laisse-moi passer, maman, j'ai vu la première. J'ai vu la première, je monte devant. Non, je m'arrête plus gros. Je monte à côté de la dame. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Allez. Tout seul, vous ne pouvez pas affronter l'organisation. Ils sont forts et sans pitié. Comme des rats, ils viennent puis disparaissent. Vous pouvez m'aider à leur porter un coup fatal. Et tu peux m'expliquer en quoi ça t'aiderait qu'on se batte contre eux? Mais d'abord, vous devez jurer que vous serez au service de l'Agence Nationale de Renseignement. Après, vous connaîtrez notre plan. Bien sûr, Cliff. C'est marrant, je suis toujours volontaire pour aller au casse-pipe, moi. C'est vrai. Ils ont secrètement réussi à créer un nouveau missile qui non seulement menace la sécurité du pays, mais la Terre tout entière. Ce sont des vicieux et nous ne savons pas où se trouve la base pour enfin les frapper. Et c'est à nous de les découvrir? T'as vu juste, mais c'est une mission dangereuse, sans retour. Eh bien, allons rejoindre tes gars. Vous avez le temps de faire votre choix, mais je souhaite compter sur vous. Cliff, nous sommes avec toi. Venez à la réunion que j'ai prévue ce soir afin de rencontrer votre officier de liaison. Et attention. Tu vois, je ne m'attendais vraiment pas à devoir sauter, c'est la première fois. Il n'y a absolument aucun danger. Te fais pas de soucis, ça changera rien. Soyez prêts à sauter! Thank you.
Seigneur, protégez notre mission. Et veillez sur mes compagnons. Que le sort leur soit favorable et que nous revenions vainqueurs de ce combat que nous livrons. Pour préserver la paix entre les peuples, Seigneur. Que ma famille soit protégée du malheur pendant mon voyage. Hé, hey, tu crois qu'on pourra s'en sortir seul? On ne prend jamais assez de précautions. On aura besoin d'un bon coup de main. Quel chemin prenons-nous? En direction des montagnes. On devrait pas traîner. Je vais prévenir les autres. Plante-toi! Que je vais aller piquer une petite tête, elle a l'air bonne, hein? Bah ouais, allez, on y va! Allez! Et reste là! Allez! Vous êtes prêts? Et par ici, ma poule! Ils vont s'en charger, ça va être leur fête. Tu vas voir. Ils vont en prendre plein la gueule. Te sauve pas, ma biche! Eh bien! Et rattrape-la, allez! Essaye pas de te sauver! Allez, viens! Allez! Pas les pattes! Allons voir comment elle va. Elle est debout. Mais Gordon, qu'est-ce que tu veux faire d'elle? Écris rien, mademoiselle. Vous m'avez sauvé. Merci, monsieur. Dites, vous êtes bien roulé. Et je suis connaisseur. C'est vrai. Vous approchez pas. Mais quoi, je vous fais des compliments. Et je vous arrache des griffes de ces bâtards en plus. Tournez-vous. Oh là là, moi qui es-tu? Mais qu'est-ce que tu fous ici? C'est ma fille. Ma fille qui a dû se perdre dans la jungle. Hey, c'est une jolie fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as déjà rencontrée, ma fille? Elle prenait un bain tout à l'heure, là. Et maintenant? Tu sais où elle est? Attends une minute, t'excite pas. Elle est partie par là. Je crois qu'elle avait des problèmes. Oui, avec des mecs, 5, je crois.
ma fille. Oh, j'espère qu'ils t'ont pas fait mal. Je vais bien. Ce sont ces gens-là qui sont venus me sauver. Ah bon? Et vous les connaissez, ces types? Pourquoi s'en prenaient-ils à votre fille? Ces types ne sont que des rôdeurs. C'est la troisième fois qu'ils essaient. Je vous remercie de nous en avoir débarrassés. Ah, mais j'ai rien fait. Non, c'est eux les héros. Gordon. Et moi, je m'appelle Léo. Et moi, c'est Alan, les trois mousquetaires. Oh, encore merci de lui avoir sauvé la vie. Oh, comment pourrais-je m'acquitter de la dette que j'ai envers vous? Je vous en prie. Nous ne sommes pas riches. Dans ce pays, nous sommes tous pauvres comme Job. Mais j'ai quand même quelque chose pour vous. Cela vous protégera. Ça n'a l'air de rien. C'est bien. Nous sommes touchés par votre geste. Oh, je suis vraiment très gêné. Non, j'insiste. Acceptez-le. Voyez ce que c'est. C'est un objet très rare, inhabituel. Oui. Vous devez l'accepter. Gordon, Léo, accompagnez-le à son village. À plus tard. Tom, qui sont ces hommes? Ces hommes sont mes amis. Ne vous inquiétez pas. Ils ont la gâchette facile. Et celui-là, il s'en sert très très facilement. Il n'a jamais eu confiance en personne. Oh, d'accord. On essaiera de ne pas se trouver sur son chemin. Ça, c'est bien. Ouais, message bien su. Vous êtes de bons petits gars, vous pourrez vivre vieux. Suivez-moi. Montre-moi mes lunettes. Hey, tu me cherches? Ne répondez pas, ne faites pas attention. Non, reste calme. D'accord. On va jusqu'au village. Je vous sers quelque chose? Verse-moi du vin, s'il te plaît. Et pour vous? La même chose. D'accord. Voilà, buvez ça. Vous aussi. Et tchin.
Bon. Une façon élégante de commander à boire. Mais qu'est-ce que vous foutez ici, les mecs? Il est complètement naze. T'as entendu, il doit être sourd ou même aveugle. Ferme ta gueule! Et ma poule? Tirez-vous de là! J'en ai pas encore fini avec toi, le gros. Attendez une petite minute, je crois que je me suis trompé sur votre compte. Je suis Kung Fu d'argent. Et moi, balle de fusil. Et vous savez, moi, j'en ai tellement que je sais même plus comment je m'appelle. Hé hey, bah, mais qu'est-ce que vous foutez, les mecs? Il faut qu'on trinque avec nos nouveaux amis. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour boire notre santé? Hé, apporte-nous à boire, bordel! Tiens, voilà. Ouais! Ah, content de te voir! C'est qui ces mecs? Ce sont mes nouveaux amis, Kent. C'est vrai? Ouais. Hey, vous deux, dites bonjour à mon pote. C'est un caïd chez nous. Hey, qu'est-ce que vous branlez? Tu as un gros pif. C'est vraiment... Tiens, dis donc, Zorro, retire ton masque. Servir d'eux. À quoi ils serviraient? Et notre organisation a besoin d'hommes. D'hommes qui aiment se battre. Comme ces deux-là. Meilleur que toi? Mais tu te rends compte? Ces mecs, on vous aime provoquer. Qu'ils passent l'épreuve. Et là, on saura ce qu'ils valent. Vous êtes vraiment des durs. Ouais. Donnez-leur une leçon et une vraie. Vous êtes vraiment des minables. T'entends ça? À quoi il te fait penser, lui? Il va piger ce que c'est qu'un minable qui aime pas qu'on joue au con avec lui. La rigolade va commencer. Si on passait le test, non? Ici, c'est pas vous qui décidez, on est chez nous. Nous savons que vous contrôlez l'endroit, mais c'est pas une raison pour vous foutre de notre gueule, d'accord? Quel charlot, ce mec. Tu l'as dit, Bouffy. Lâche-moi! Tu sais ce qu'il faut faire. Tu vas les emmener chez le patron. Quoi? Oui, pourquoi pas. Et
Jessica, t'es d'accord? Hey, s'il te plaît, Ken, je crois qu'ils vont plaire au patron. T'énerve pas, Bob. Je sais ce que j'ai à faire. Ouais, bah, je suis sûr que t'es de mon avis, Kent. Ton nom? Léo. Léo? Léo Wallace. Oh, Léo Wallace. C'est bien ton nom. Ça te plaît, mon chou? Et lui? Gordon White. Gordon White, tiens. Ah ouais. Qu'est-ce que t'attends de nous? Tu le sauras bien assez tôt. Ça vaut mieux pour ta petite gueule. Du fric? Te fais pas d'illusions. Allez, retire-moi ça. T'es prêt? On va voir ça. Je ne veux pas m'entourer de minables. Vous avez bien compris les règles. Juste après mon signal. Avancez de 10 pas. Allez-y. C'est quand l'enterrement de votre type? Ah, tu te crois drôle, mais attends voir. Ouais. Hé, hey, c'est quand tu veux. Tu vas la fermer? Pourquoi tu te marres? Vous êtes prêts? 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 Ah! Ah! Hé, hey, Léo! Hé, ah! Hey, t'es touché? Ah! Fais-moi ça. Je savais que t'étais capable. Alors, on peut faire partie de votre bande maintenant? Ouais, tu l'as dit, Bouffy. C'était un beau combat. Léo, Gordon, vous avez prouvé votre valeur. Merci. Tout est bien, qui finit bien. Toi et moi, on va faire une bonne équipe. J'ai quelque chose pour toi. Un petit cadeau qui te fera vraiment plaisir. C'est quoi? C'est une surprise, je t'en dis pas plus. Je crois que ça te plaira. Tiens, prends ça avant que je le perde. Merci. C'est mon talisman. Tu veux aussi me faire un cadeau? Tu vas bien voir. Il va pas s'envoler. Bon, les gars, il faut y aller. Le patron doit m'attendre. D'accord? D'accord. J'en connais pas un qui soit pas devenu dingue avec ce cadeau. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ma récompense doit se trouver par ici. On m'a piégé, je savais pas que c'était toi que je trouverais ici. Je croyais ne plus jamais pouvoir te revoir. Je suis très heureux que tu sois là, Judy, et d'être seule avec toi. Il devrait être là.
Je les trouve un peu longs. J'aime pas les gens en retard. Hé hey Kent. Léo, Gordon. Vous avez pu dormir un peu? Ça va mieux? Ouais, j'y suis arrivé. Qu'est-ce qui ronfle? Très bien, alors vous voulez voir un autre? Non, c'est pas la peine. J'ai l'habitude du mien. Dans ce cas, on peut y aller. Grimper derrière. Allez. Hé, hey, vous deux, dégagez! On prend toujours les meilleures places, nous. Allez, faites pas la gueule, montez. À ton avis, Léo et Gordon sont avec eux? Ouais, ça vaudrait mieux. Ils ont probablement pu s'infiltrer dans l'organisation. Et il faut qu'on les suive à tout prix. Ils nous emmèneront à la base, d'accord? D'accord. Calme, hein. Tirez pas, les gars. Et attendons de savoir ce qu'ils veulent, hein. Plus un geste. Hé, hey, du calme, petit. T'as un problème? Vous m'avez l'air de grand nerveux. Qu'est-ce que vous nous voulez? Que faites-vous là? Eh ben, on fait du camping, nous, c'est tout. Vous allez me suivre et on va vérifier vos papiers. D'accord. Chercher des jetons. Ah, t'as pas compris? J'ai de la fraîche. Pose ton cul. On va jouer aux cartes. Eh, t'as pigé, connard? Au poker, le 5 cartes chacun. Et le fric sur la table. Ce sont mes conditions. Est-ce que c'est compris? Pas en liquide. Eh, attends! T'es sourd, quoi? C'est bon. Distribue. Salut! Ça va, chérie? Oui, mon grand, je suis Madame Donald. Donald, t'as bien de la chance. Non. Fais voir ton jeu. Tu y as laissé ta culotte. Hé hey Léo, tu me fais une petite avance? Tu vas continuer à perdre, laisse tomber. Tu me les casses, j'irai en trouver ailleurs.
Hé, hey, tu m'en prêtes un peu? Non, va te faire voir. Hé, hey, hey, j'arrive. Non, ça suffit! Arrêtez ce bordel et restez correct. J'ai demandé juste un petit service. Hé hey, détends-toi, tu dois être Gordon. J'ai entendu parler de toi et de ton pote. Je t'ai pas blessé, j'espère. Non, non, ça va, c'est rien. Mais j'ai tellement eu les jetons que j'en tremble encore. Je suis vraiment désolé. Il te reste à apprendre à te contrôler toi-même. On n'a pas envie que tu commences à déconner. Ma biche, il t'a pas fait mal? Oh, j'ai l'habitude. Attention, la patrouille de surveillance a interpellé 3 intrus. Monsieur Scott, chargez-vous de leur interrogatoire, immédiatement. Bien, allons-y. Non, non, les mecs, vous restez là, on sait très bien régler ce genre d'affaires. On a fini par les trouver. Préparons-nous, il faut que nous restions muets. Y a pas à s'inquiéter, tant qu'on la bouclera, ils n'auront aucun moyen d'y arriver. Qui c'est la fofolle? Ferme ta gueule, t'es dans la merde. Dis-moi, Georges, tu te souviens de Paul? Pourquoi t'as filé? Paul? Qui c'est? Moi, je vois pas de qui tu parles. Te fous pas de ma gueule. Rira bien qui rira le dernier, crois-moi. Et qu'est-ce que tu veux, gros lard? Oh, oh, oh! Tu peux me répéter ça, connard? Gros lard! Qui c'est le chef? Moi, ces frimeurs méritent un traitement spécial. Et quel genre de traitement spécial? Le pire? Déborah, la méthode 3. Lumière. Comment tu t'y prends? Tu l'embrasses? Nous avons les moyens de vous faire parler. Qui t'envoie ici? Je me souviens pas. Cherche un peu, qui t'envoie? Personne ne m'envoie, je suis seul. Connais-tu l'endroit où nous sommes? Je me suis perdu. Pourquoi es-tu venu chez nous? Pour passer mes vacances. C'est tout. Il ne sait absolument rien. Tu as de la chance, Georges. Tes amis sont innocents. Ah, je te l'avais bien dit. Relâche-les! Vous ne pouvez pas partir comme ça. On décidera ce qu'on va faire de vous. On n'a qu'à s'en débarrasser, excepté Georges. J'ai une idée! On devrait leur faire subir le test. D'accord. Hé, hey, c'est quoi cette histoire de test? Une chance de sauver ta peau. Ça marche. D'accord. Oui, c'est bon. Couteau, massue et hache, à vous de choisir. Couteau. La massue. La hache.
J'ai toujours dit qu'il savait pas se battre sans son flingue. Tu parles toujours trop vite. Regarde ce qu'il lui met. Hey, ça suffit. Ah, c'est vrai. Si tu veux savoir, je me suis jamais battu comme ça. J'ai pas besoin de ça. Quoi, t'es devenu fou? Tu crois ça? Regarde ce que je vais faire. Tu vas te faire découper en morceaux. Tant pis, on t'aura prévenu. Comme vous voyez, je suis toujours entier. Hé, hey, t'en as fait qu'une bouchée? Merci, j'en ai maté plus d'un. C'était trop facile. Vous êtes très fort. Merci. Notre organisation a besoin de vous. D'abord, vous me devez obéissance. Seize. Levez-vous. 20 également. 11 aussi. Faites attention. On ne doit pas perdre. Nous devons les sauver. Ensuite, nous pourrons anéantir leur base. Inutile de préciser. C'est une mission dangereuse. Vous avez des questions? Allons-nous mourir? Non, bien sûr. Rien d'autre, c'est bon. Rentrez et préparez vos affaires. Vous devez être prête à partir au lever du jour. Bonne chance. La patrie doit être fière de vous. Souvenez-vous, nous n'avons jamais échoué jusqu'alors. C'est une mission comme une autre. On y est presque. Prête à sauter ? Thank you.
Et après, ils t'ont attrapé? Oui, raconte, tu en as trop dit. Le village a l'air bien tranquille. Oui, Lily, ça va nous faciliter le boulot. Oui, il faudra jouer l'effet de surprise. Soyez prête à bondir. N'oubliez pas la consigne de Cliff. On doit trouver la clé du champ de tir. Julie doit être là. Nous allons devoir la localiser. Écoutez, Marie et Pat, vous faites le tour par derrière. Jane et Betty, le mieux, c'est que vous descendiez par là. Faites gaffe. Mais surtout, on doit retrouver Judy. Calme. Je m'appelle Tom, je suis l'ami de Judy. On vous attendait. Judy, viens voir. Viens voir qui est là. Regarde. Lily, oh, je suis contente. Oh, Judy. Quels sont les prochains ordres? D'abord, nous allons brûler le village. Personne ne doit alerter la base. Vous êtes d'attaque? Non. On m'a dit que c'était votre première mission. Oui, moi. J'ai la trouille. Bon, c'est bien. Je veillerai sur vous. N'ayez aucune crainte. Oh, j'aime mieux ça. C'est plus sûr. En route. Qu'est-ce que tu bricoles? Je t'attendais. Pas de bol, je suis pédé. Les mains en l'air, mène-toi. Hey, qui êtes-vous? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Thank you.
soient tous bien morts. D'accord. Dernier film, vous m'avez oublié. Je suis toujours vivant. Vous m'avez pas tué. Salope. À mon tour de jouer. Vos balles ne peuvent pas me faire de mal. Vous ne pouvez rien contre moi. Maintenant, vous êtes morte. Oh, oh. Vous n'avez rien ? Non, non. Voyez bien qu'on n'en aura jamais fini avec cette racaille. Alors faites gaffe, le travail est terminé ici. Nous allons avancer vers leur base. As-tu un plan précis, Tom ? Ce sera très dur. Et bien sûr, nous allons jouer sur l'effet de surprise. Il faudra en tirer le maximum. Nous les attaquerons au réveil, sans qu'ils puissent réagir. Ce sont bien eux. Rejoignez vos postes. Allez, vite ! Vous ne tirez pas sur nos amis. Alan! Vous ne pouvez pas m'échapper. Suis-moi. Attrapons-les. On ferait mieux de se séparer. Ah, je vois, ils sont partis par là. Thank you.
Cette fois, tu ne m'échapperas plus. Bouge ton cul! Allez, les gars, on rentre à la maison. Prêt au lancement. Pareil à tirer. À mon signal, commencez le compte à rebours. Monsieur Scott, cette fois, je suis sûr qu'il atteindra sa cible. J'y compte. Bien, ok. C'est le moment. Ils sont vraiment très nombreux. Ils doivent être prêts à lancer le missile. Ne perdons surtout pas un instant. Hey, Mary! Et toi aussi, Jane! Faites le tour par le flanc gauche. Les autres me suivent. Nous, on va les occuper de l'autre côté, d'accord? Ça doit être la salle de contrôle. Allez, commençons. Vous imaginiez sans doute pouvoir me coincer, mais Ken, je suis surpris. Qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de sale traître, explique-toi. Tu n'as aucune chance de pouvoir t'en tirer. Ken, tu es mort. Bon. Est-ce que tu peux le désactiver? Surveille le couloir, je vais essayer. Vous n'avez qu'une clé, vous ne pourrez pas ouvrir le coffre. Pas de chance, j'ai l'autre. Kate, t'es une ordure! J'ai envie de vivre un peu plus longtemps. Tiens, ouvre-le. Tout ce que tu cherches se trouve là-dedans. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Gordon, mène-toi le cul. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, tu sais. Hey, va voir dehors. Tu vois, c'est foutu, Déborah. Ferme-la. Donne-moi ça. Gordon, tirons-nous.
vais la faire sauter. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est ma mission, la dernière. Et si tu ne te tires pas, je te descends. Je rigole pas. Va-t'en. Bon, je m'en vais. Dis à Cliff que j'ai réussi. Cette fois, tu es fait. Hey, Scott, tu ne peux pas gagner ce combat. Renonce. Je savais qu'il devait mourir, mais je ne pouvais pas le tuer. Oh. Pas m'empêcher de faire mon devoir. C'est fini. Tout le monde dort!
grand Dieu, Marie, Gordon, reviens. Hey, vous n'avez rien. Eh, disons, pour une fois qu'ils ont bien visé. On a de la chance, hein. Judy! Judy, nous ne t'oublierons jamais. Tu es morte pour la patrie. Même en ayant échoué, tu as fait de ton mieux. Non. Je regrette de m'être battu pour l'organisation. J'espère refaire ma vie après avoir purgé ma peine. Les mecs! On entre, c'est l'heure de la soupe. C'est vous ce soir qui êtes de corvée. Bam 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 b